Le nom de Naufel apparaît de plus en plus dans différents dossiers liés à des liquidations aux Pays-Bas. L'homme qui occupe une place stratégique dans l'organisation de Rico le Chilien semble vouloir passer à une nouvelle mission, en la commanditant totalement à distance depuis son appartement de Dublin, en Irlande. Nous savons déjà que le groupe de Rico combat les vétérans de la pègre. Une de ses cibles est Peter, alias Piotr, qui a miraculeusement survécu à l'attaque de novembre 2015, et ce malgré la vaillante équipe engagée par Naufel. Cependant, le destin d'un autre homme comptant également parmi les soi-disant réseaux hollandais, dans le milieu d'Amsterdam, ne laisse plus de place à la chance. Lucas Boom n'est certainement pas inconnu de la police. Surtout depuis qu'il est considéré comme l'un des derniers confidents de l'une des figures les plus puissantes du monde souterrain des Pays-Bas, Willem Holleder. Nous sommes en juin 2015. Lucas se trouve dans un quartier résidentiel à Zaandam, près de sa voiture à proximité de deux écoles primaires, lorsque subitement plusieurs hommes habillés en noir sortent d'une camionnette et ouvrent le feu en direction de Lucas qui tente de fuir, en vain. Des dizaines d'élèves, jouant dans la cour de l'école, ont été témoins de la scène choquante, certains se cachant sous les tables dans les classes. Et comme l'un des maires l'a précisé, « C'est un jour noir. Ce n'est pas la réalité de Zaandam. » Une fois l'action terminée, les tireurs s'enfuient dans la camionnette qui est ensuite retrouvée en train de brûler à Amsterdam. Il ressort que sur la liste des premiers suspects se trouvent également certains des participants à la liquidation de Piotr. Toutefois, malgré de nombreux indices, il n'y a pas assez de preuves pour les inculper, et ce, même si le modus operandi se ressemble fortement dans les deux affaires. En parallèle, le rôle d'exécuteur principal est attribué à Randall, déjà tristement célèbre dans le milieu, en tant que présumé tueur à gages. Cependant, il faut plus de temps pour connaître la vérité et ce qui se cache derrière l'affaire de Lucas Boom. En revanche, ce qui est clair, c'est le fait que Randall se fait recruter par Naufel pour une nouvelle mission en novembre 2015. Naufel informe Randall d'un travail à effectuer à Almere pour 130 000 euros. J'ai un bon travail pour toi. À Almere 130, sale fou. L'autre gars l'a déjà repéré là-bas à 7h du matin. Il va au boulot. Sale fou, t'as arrangé un osso à Almere ? Il lui demande s'il peut arranger un lieu de cachette à Almere. Naufel fait aussi transférer un message de la part du deuxième soldat à noir, qui veut que la tâche soit effectuée en binôme. Frère, regarde si tu peux arranger un osso. C'est ce qui est le plus important. Frère, c'est 7h du matin ou soir. Ok, je te dis quoi ? Il s'agit bien de 7h du matin, l'heure à laquelle la cible se rend à son travail. Randall veut aussi savoir qui est censé dormir, c'est-à-dire disparaître de la Terre. J'ai aussi besoin de savoir qui est le frère, alors je sais ce que je dois faire. Tu veux savoir qui doit aller dormir, c'est ça ? Oui. Naufel transmet à nouveau un message d'un noir. Frère, un Turc, il taffe dans tout ce qui est électronique et toute cette merde. Il conduit une camionnette blanche avec le logo Eneco dessus. Je sais pas pourquoi il doit dormir et j'ai même pas envie de savoir. C'est un homme simple dans la quarantaine, avec la famille et tout. La cible n'est pas turque, il a un peu plus de 40 ans. Il s'agit d'un ressortissant iranien, connu sous le pseudonyme d'Ali Motamed, qui travaille pour la boîte Eneco et semble être un citoyen tout à fait correct. Finalement, Randall signale qu'il a arrangé la maison. Par conséquent, Naufel décide de mettre Randall en contact avec un noir. D'accord, sale fou. Je vais donner à ce jeune ton mail, comme ça il te contacte. Rencontre-le et s'il te plaît, frère. Reste concentré. Pas de preuves, et regarde bien s'il n'y a pas de flic pendant le rendez-vous à ton osso. Et oui, ne dis pas à ce type que t'as déjà été arrêté. Sinon, il va penser que t'es grillé. Naufel fait comprendre à Randall qu'il vaut mieux qu'il ne dévoile pas à Noir qu'il avait été arrêté auparavant par la police, dans une autre affaire, pour qu'il ne stresse pas.
Il ressort des messages PGP que Randall a essayé plusieurs fois sans succès de contacter à Noir. Ewa, comment ça va? Ewa? Durant la même période, c'est aussi le cas pour Naufel, dont son téléphone vient de capituler. En effet, après avoir entré 5 fois le mauvais code, son téléphone crypté vient d'être bloqué. Il prend contact avec un ami pour trouver une solution. Yo frère, t'sais demander à monsieur de m'arranger un PGP? J'ai mis 5 fois le mauvais code hier, ça craint. Frère, cet homme de Beverwake m'a répondu. Il dit que l'appareil doit venir à PGP safe. Ça va pas fonctionner à distance. Mais je suis pas aux Pays-Bas. C'est pas prendre l'avion demain avec le nouvel appareil? Le vol, c'est qu'une heure, s'il te plaît. Je suis en Irlande en ce moment. Mais frère, s'il te plaît, le dis à personne. Le téléphone ne peut pas être réactivé à distance. C'est pourquoi Naufel demande à son ami de lui apporter un nouveau PGP en Irlande, en précisant de garder cette information pour lui. Cela n'est pas étonnant, puisqu'il y a beaucoup de gens du camp rival qui ont ordonné la liquidation de Naufel. Finalement, son ami accepte la mission en apportant avec lui la montre Audemars Piguet de Naufel. Alors, 21h, temps irlandais, t'es là, frère? Ouais, c'est ce qui est noté sur le billet. 21h10, heure locale. Mon frère, je suis à bord. Je t'envoie un email à mon arrivée, Inch'Allah. Tu devras alors m'identifier grâce à la paix que j'ai au poignet. Après avoir changé de téléphone, un revirement de situation arrive pour Randall, qui se fait arrêter dans le cadre de l'enquête par rapport à Lucas Boom. L'homme se fait vite confisquer son appareil PGP qui était utilisé pour communiquer avec d'autres bandits. C'est justement ce téléphone qui a, entre autres, permis d'avoir l'aperçu des discussions mentionnées précédemment aux détectives. Randall aurait été l'un des deux tireurs de la prochaine liquidation, s'il n'avait pas été arrêté prématurément. Cependant, cela ne freine pas la mission, car Moreo prend la place vacante pour créer un nouveau binôme avec un noir. Quelques semaines plus tard, vers 6h50, Ali est abattu devant sa maison, à Almer, alors qu'il est sur le point de monter dans sa camionnette pour aller travailler, tandis que le duo démarre une BMW noire qui est retrouvée incendiée peu de temps après, grâce à l'essence qu'un noir a achetée. D'après les images des caméras, la même BMW apparaissait régulièrement, durant les 3 jours précédents dans la rue d'Ali Motamed, autour de l'heure à laquelle il se rend d'habitude à son travail. Il semble que la veille de la liquidation, le duo est bien arrivé devant le domicile d'Ali. Toutefois, un voisin sort en même temps, ce qui a pu empêcher les auteurs de passer à l'action. Lorsque Randall est libéré faute de preuves, en janvier 2016, pour son implication dans l'affaire de Lucas, la police en profite pour dissimuler des dispositifs d'écoute dans ses vêtements. Il arrive donc des écoutes secrètement enregistrées, entre autres que Randall s'estime chanceux de n'avoir pas participé à la mission d'Ali. J'allais faire ce travail, non? Ils ont toutes ces conversations dans lesquelles je parle. Je sais pas si leur téléphone a été retrouvé ou quoi d'autre, mais j'espère que non pour eux. Ils doivent continuer à nier. Mais s'ils ont laissé de l'ADN sur la scène de crime, alors voyous, ils sont perdus. C'est ainsi que la police est parvenue à comprendre que quelqu'un d'autre devait prendre la place de Randall. En ce qui concerne Ali Motamed, beaucoup de questions se sont posées quant au motif de son exécution. En tant qu'électricien sans casier judiciaire, certains pensent qu'il s'agit d'une erreur d'identité et qu'il a été abattu par accident. Toutefois, il a été révélé par la suite qu'Ali Motamed est une nouvelle identité pour Mohamed Reza Kolei Samadi, condamné à mort en Iran pour avoir perpétré un attentat contre le siège du Parti Républicain. In december 2015 werd Ali Motamed doodgeschoten in de Hendrik Marsmanstraat in Almere. Het Parool onthulde eerder dit jaar dat Motamed in werkelijkheid de uit Iran gevluchte Mohammad Reza Kolahi Samadi was. Hij zou in zijn moederland een aanslag hebben gepleegd waar 73 mensen om het leven kwamen. En raison des antécédents politiques de la victime, les services de sécurité néerlandais soupçonnaient l'Iran d'avoir ordonné l'ordre de cette mission. Toutefois, cela n'a jamais été prouvé, ni établi dans la partie pénale de l'affaire. En ce qui concerne Naufel, qui se cache en Irlande, son temps en liberté semble s'écouler de plus en plus rapidement.
De l'autre côté, le camp rival autour de Oz est loin de se reposer, car tous chassent encore les héritiers de Gwenet. Ils viennent justement d'être avertis d'une nouvelle frappe qui arrive. Je pense que t'as également entendu parler de ces PD. Mais j'ai entendu dire qu'ils étaient prêts à faire quelque chose à quelqu'un alors que tout le monde soit sur ses gardes. Et ce serpent, selon moi, est prêt à faire quelque chose. Alors s'il te plaît, préviens tout le monde.